Ancien Premier ministre Claude Joseph parle. Mesdames et messieurs, matin, nous te prenons le temps pour que nous fassions entendre la première partie. Alors, intervention au Premier ministre Claude Joseph là, dans le jour ça qui marque le 6e mois que le groupe assassin criminel dans Pétionville, qui est le tête du secteur privé, mélangé avec associé ou resté avec Tchoulio qui est dans la politique là, qui est le tête du politicien. Alors, nous-mêmes, nous sommes les politiciens traditionnels, radicaux politiques, voyous politiques, gangs politiques, assassins politiques, ouvriers politiques, prostituées politiques. Nous sommes qui dans la politique dans le pays d'Haïti. Mais définitivement, tout le monde est clair. Pas rien que vous avez le pays, hein? Pas rien que vous avez fait pour le pays, hein? C'est détruire le monde seulement. Automatiquement, vous sentez que vous êtes impopulaire, la population n'a pas fait confiance encore. Vous n'avez pas voulu aller à l'élection. De fait, qu'on y a là, depuis que vous avez le pouvoir, le jour même vous montrez. Groupe assassin criminel voit où ça a commencé à mandou, faut qu'on rachète moyen pour bailler au pouvoir. Et bien, définitivement, Jovenel Moïse, pas de choisir rachète moyen cli, mais de choisir de travailler pour le peuple. Mais de fait, nèg sa yo, ouais, pour t'aider au pouvoir, c'est tout yon, faut tout yon. Et bien, définitivement, yon tout yon, actuellement là, c'est yon qui gagne pouvoir. Représentant direct yon, c'est yon assassin yon relé Ariel Henry. Aïe, c'est Fremson, PM Claude Joseph parle, mais c'est dit en pile cause, et que vous-même, vous connaissez que ça qui est important yon, n'abserde yon, et pas que tout ça qui dit yon pas important non, mais on connaît ça qui frappe. Frappe-le, vous connaissez ça qui frappe en pile, c'est l'une de pour une fortune. Parce que vous savez ce qui passe, Chanel ça, c'est Chanel Maman Pemba, Chanel, Chanel qui pas paye rien, Chanel sans voyer monter, Chanel qui pas jamais mettre de l'eau dans la bouche pour parler, pour dire la vérité. Et bien de fait, nous parlons de fortune de Claude Joseph dans la vidéo ça. Retenez dans la vidéo ça parce que vous parlez de pile d'informations que nous parlons partager ensemble avec vous. De fait, nous parlons commenter ça que PM nous dit ensemble avec vous. Dans la vidéo ça, grand pile cause, oui. Rete là. Dans l'autre côté, ça qui fait mal, ça qui fait triste, c'est pendant la journée, je regarde pour moi exactement la police nationale d'Haïti avec le juge de paix Pétionville qui descend dans la galette fait ça, en dans la boule, ou passer dans le désir, ou tomber dans la galette fait ça. Pour me garder pour moi, il y a pris un cadavre, deux jeunes garçons, deux jeunes journalistes, médias en ligne. Ça fait mal en pile. Ça fait réfléchir en pile, grand pile monde qui aime tout. Avec message ça que le premier ministre assassin Ariel Henry te voye par nous même qui c'est média en ligne. Monsieur te voye un message par nous, monsieur te dit la privée sous nous. Et de fait message ça m'a dit Ariel Henry nous recevoir. Nous recevoir et nous comprendre, nous prendre pour ça lié. Et nous connaît exactement assassin ça eux-mêmes, yo pas jamais parler sans que yo pas poser action. Nous prend ça Ariel menace Ariel Henry te fait nous dans dimension. Et c'est ça qui fait que m'a tout dit, chaque jeune garçon, jeune femme, même j'avais, qui a bataille pour mettre de justice pour le président paysan, président Jovenel Moïse, sur les réseaux sociaux, et bien de fait, nous avons une responsabilité pour nous prendre. Vitesse là, à nous doubler. Parce que tout simplement, assassin au cible nous. Automatiquement au cible nous, nous comptons qui action qui est posé. Et de fait, deux jeunes qui ont mouru là, nous comprenons. Il y a pile d'informations que nous pouvons partager ensemble avec nous. Parce que Galette fait ça. Même papa nous menti, là nous besoin qu'on nous bagaille, nous mettons pied à terre, nous cherchons qu'on est. Et de fait, il y a quelques informations qui nous vont partager ensemble avec vous. On est dans la vidéo ça. Ça fait nous mal en pile. Et nous disons à Ariel Henry merci. Nous avons dit coalition des assassins merci. Et vous même capteur de m'a gardé là, capteur de justice pour le président Jovenel Moïse, mettez grand dans boudou, pas la gueco. Ça que m'a dit, mettez grand dans boudou, pas la gueco. Parce que tout simplement, coalition d'assassins, ils sont agressifs en pile dans le moment. Parce que sous pote yo est là, code la nangou déjà. Pour nous habiter nous. Yon pelle, yon bourrette, yon balé. Aïssé Fremsem, moi même nous en pile. Et ça fait un plaisir le fait que nous comprenons exactement ça qui est bon. Nous comprenons moun kap bataille pour changement pour le pays d'Haïti. Ça fait nous plaisir. Et c'est solidarité ça même. Moi même, personnellement, je pense que si président Jovenel Moïse était jeune, ni pendant qu'il était vivant, assassin yon pèl ap pren chans tuye li. Avec opération yon pèl yon bouet yon balé, je pense que Haïti ap comprenn nécessité qui gagne pour que yon mette tête ensemble. Et son obligation. Li obligatoire pour que yon mette tête nous ensemble. Yon pile cause nous capable de faire dans la coupe d'Haïti. Jimmy Cherizé Barbecue, en pile problème dans Delma 6, Riel Maya. En pile cause. Yon pile moun qui dit nous bientôt, est-ce qu'on peut parler avec Jimmy Cherizé Barbecue? Non, pas parler avec Jimmy Cherizé Barbecue sous dossier ça. Dernièrement, pendant que la pète en bas, pendant qu'il y a un pile et parole en pile qui a fait en bas, nous essayons de contacter Jimmy Cherizé Barbecue, mais Green Barbecue te dit nous, l'in a goumé en pile bataille, et puis, en communication coupée, nous pas capable de rentrer en communication ensemble avec l'encore.
C'est ça seulement. Nous pas de temps pour nous parler ensemble avec Jim Chérizé. Mais il y a quelques informations que nous pouvons partager ensemble avec vous sur ce qui passait en dedans d'Elma 6 et Uriel Maya. Avant de commencer, Jean que nous connaissons, je profite pour me dire bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a attendu, nous avons regardé nous. Encore une fois, Jean que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi. Pour que nous sommes avec nous. Et ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager mon moment ensemble avec nous. Et que je connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors c'est là que nous allons dire tout ce que nous pensons, tout ce que nous comprenons de ce qui dit dans la vidéo. Ça, parce que tout simplement, il est clair. Si vous entendez, c'est ce que vous comprenez. Si vous comprenez, c'est ce que vous avez une intervention, une réaction. Mais normalement, nous avons tant de réactions pour à travers la vidéo. Ça, parce que vous avez l'information que nous allons partager ensemble avec vous. Si vous entendez, vous comprenez. Vous avez gagné une intervention que vous avez fait. Aïssé Fouemsem, nous avons avancé. J'en ai annoncé nous lien. Ancien Premier ministre Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, fait une intervention matin. Avec un pile de l'eau dans les yeux, PM n'a pas parlé. Il dit un pile causé. Et que nous-mêmes, nous avons choisi de commencer fort en matin. Mais on a une intervention qui a été en pile. Intervention qui a été en pile matin. Et que nous avons pile l'autre information qui a venu de nous. Nous avons obligé de couper une partie là-dedans. Pour nous faire fort en de restant l'après-midi. Et bien, de fait, c'est ça que nous avons fait là. En entendant PM Claude Joseph, Cap est venu, et puis nous-mêmes, gens que nous connaissons, nous avons commenté ensemble avec vous ce qu'il dit. Alors, route ça vous regardez là, zone ça vous regardez là, c'est exactement la caille voisine nous, en République Dominicaine. Ok? La caille voisine nous en République Dominicaine. Nous-mêmes, nous qui étions gagnés, nous opérations nous avons fait un peu de balai. Parce que nous avons regardé route, regardez zone là. Regardez qui j'ai ça belle, regardez qui j'ai le propre, regardez qui j'ai le clean. Dis-moi quand on pile fatra là. Dis-moi quand on nous on pile fatra là. Dis-moi quoi exactement nous on pile fatra là. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que nous voyons comment nous fait pays. Quand nous avons descendu là. Regardez pour nous. Mais comment nous fait pays? Vous avez entendu vous-même, vous avez dit fait pays, ce n'est pas l'argent que vous avez. Vous avez dit voilà. Son côté vous sortir, vous avez dit PHTK, Spati, Tête Kali. C'est l'argent seulement. Assassin, voir où vous avez dit seulement. Alors achetez bel canon dans pays étranger, et puis pays a dit vous fier de lien. Il a fait l'argent, pays en bas fatra, en bas de l'eau senti, en bas de la boue senti. Moi, je dis Haïti ça. Ce n'est pas Haïti, vrai Haïtien. Haïti pas nous, c'est Haïti qui a fait grin dans le nous. Pour nous faire là. C'est Haïti qui a fait mourir pour lui. C'est ça qu'Haïti pas nous. Mais de fait, dans la vidéo, ça, il y a une pile de causes que nous avons choisi de parler. De fait, nous commençons à attendre PM Claude Joseph. Après ça, nous allons rentrer avec maman Pemba. Parce que nous connaissons déjà, son jour de fête, son jour à mourir. Nous-mêmes, quand il s'agit de la vérité, pas rien qu'il a perdu. Quand il s'agit de la vérité, ce pays d'Haïti n'a pas défendu. C'est développement à parler, c'est changement à parler, n'a pas grand n'a pas dit la vérité. Mais pour eux, habito, parce qu'on pile cause qu'on parle prendre qu'on est là. Aïe, c'est Fouemsem. PM Claude Joseph, en avance. Moi, là pas avancé. Et bon citoyen qui dit là, en qui ça, arrestation par la chose là, capable d'aider enquête là. Lorsque gagnent presque on vingtaine 18 Colombiens qui yo même en Haïti, il a dit pour qui ça monsieur nous considère comme un suspect clé dans cadre d'enquête là qui ça nous connaît de lui. Parce que Palacios et le rapport de la DCPJ là et les documents et RNDDH hier moi le document de combien de 12 à 13 pages de RNDDH encore et Palacios il fait partie d'un groupe qui est Delta. C'est lui-même qui dit qu'il pour entrer la CAE président Jovenel Moïse. Donc, c'est sous photo dans le groupe ça, c'est sous téléphone dans le groupe ça, il y a une photo et président et assassiné. Donc, ça veut dire que même avec Badiou qui est venu entrer après, et bien, Palacios entré dans la CAE pour lui faire partie de monde qui assassiné le président. Parce que c'est lui-même qui connaît. Parce que ça paraît que le plan initial là, c'était kidnapper le président et m'a souhaité que auditeur yo joine et rapport et NDDH là qui fait qui sorti hier. Donc et initialement c'était pour kidnapper le président, mais ensuite plan vient changer dans 6 dans la nuit 6 pour tuer le président. Et tout PM faut camper parce que qui s'est passé, nous pas obligé rapide, n'a pas parlé de dossier qui est extrêmement sensible. Puis le fait que le dossier est sensible comme ça, nous ne pouvons pas rapide ensemble avec. Parce que nous avons une population qui soif d'informations dans quatre dossiers. Ça veut dire qu'il est extrêmement important pour nous que nous comprenions ce qu'a dit.
Alors ici frère, sam capitaine m'cap gardem là, nous exactement nous centre nous comme si m'dadjou au centre capitale Santo Domingo. OK, n'a viré dans ville là. Alors PM pour avancer avec ça que vous dire. Palacios, Palacios. Ou dit comme ça que il fait partie de Delta Force l'armée colombienne. Monsieur son retraité qu'il y. Ça veut dire monsieur son nègre extrêmement fragile. Son soldat tête chargée, nous carré les soldats, un soldat enragé. Oui, monsieur son soldat, oui, monsieur son élément clé dans cadre tête ça. Même j'en pile dans l'autre mercenaire yo. C'est l'élément clé que yo yé. Mais nous-mêmes, ça qui est important pour nous. Si on dit plan vient changer de kidnapper le président pour aller quelque part ensemble avec elle, même si madame Gauthier te dit 7 février 2021 pour aller quelque part ensemble avec elle. Mais si plan vient changer 6 juillet pour tout le président, qui est-ce qui dit Palacios, Palacios, faut que nous tout le président PM Claude Joseph, ça est important pour nous connaître, oui. Ou t'es premier ministre, comme si DCPJ pas de filon, tu bagay même. Sous piste ça, Pierre Espérance dit nous comme ça que DCPJ, te recevoir l'autre bon côté, nèg la primature qui t'a fait pression avec gros nèg dans le pays d'Haïti, ancien président de la République, tant kou, Elmiti le matin, l'agent que yo dit là, t'a fait pression pour que DCPJ pas atterri sous piste ça pour jouer des formations, pour le bel peuple là. Faut que nous connaissions. Faut que nous connaissions tout le monde ça clairement. Et FBI, si la prenne nous, si la ban nous bourrade, que li ban nous bourrade, et tête fait, oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons un élément dans nous là qui est extrêmement important. Que li ban nous bourrade là. Parce que assassin yo panique, yo ge problème, y'a tout le monde. Mais nous même ça nous gagnons là. En nous tout prigel pour nous donner toutes ces informations que nous besoin yo. Claude Joseph met plus à terre pour nous donner information. Parce que M. Kamba yo, pas m'dou bagay. James Solage, actuellement là en prison. Monsieur parle. Monsieur parle avec Jigayo, il est en pile. Mais est-ce que j'entendais comme si m'a dit qu'on bagay qui j'aime flitté? Je capable comprendre l'instruction exactement ce qui secret. Oui, le secret. Mais qui s'est passé? Qui s'est fait tout Ariel Henry par un monde qui j'aime aller répondre à une question juge Gary Olier? Président annonce de fait. Gary Pepon Charles qui dit un monde qui a une information de sa juge la régler. Il te parle. Mais après ça, Pierre Espérance vient de dire que juge Gary Olier chita avec assassin criminel Ariel Henry. Il prend l'argent en mille pour que Ariel Henry ne vienne pas répondre à une question devant. Ça a mérité en pile réponse. En pile réponse ça a mérité. Moi, je trouve extrêmement important. Ok? Ça dit que. Je pense que l'extrêmement important. Alors, ici, frère, nous toujours exactement dans le centre capital Santo Domingo. L'extrêmement important pour qu'on comprenne. Si je vais être là face à ma voix là. Il est très très important. Ok? Et. Normalement, nous. On a vu le grand voyage. Et. Normalement. Son vieux n'a fait dans la capitale là. Son vieux n'a fait dans la capitale là. N'a pas montré où. Et ville, la République dominicaine, en même temps tout, n'a pas profité pour informer où. Vous comprenez, M. Lampem, Claude Joseph, c'est ça que moi-même t'as envie de sous point ça. Et que c'est extrêmement important. Parce que quand pile dossier en pile, il est compliqué. Quand pile gros moun là-dedans, quand pile gros baron là-dedans, quand pile gros madre là-dedans. Parce que vous comprenez, M. Lampem, c'est que moi-même, je ne suis pas contre si Végil que m'a oublié dans ça. Toutes tes yeux nettes n'a pas avancé ensemble avec toutes nettes. Parce que Jovenel Moïse mourit trop mal. Il n'est pas acceptable. Sous quelque soit forme, pour nous différence avec un président de la République, c'est comme ça pour nous tout. Non, mon cher, nous ne pouvons pas prendre ça. Nous ne pouvons pas tolérer ça jamais sous quelque soit forme. Ou même quand vous avez la responsabilité par où. PM Claude Joseph en aller. Parce que nous avons information. On avance. Ok, ça. Faut qu'il fasse au monde penser à pression président Jovenel Moïse d'apprend, par exemple. Pour l'été nommer un autre premier ministre aussi rapide que possible. En pile pression que on pas de pression ça va t'absorber. Voilà, campé là. Gary moi même franchement, on pile différence avant oui, mais question ça ou pas capable poser. PM Claude Joseph côté pression ça va t'absorber. Pression ça que président Jovenel Moïse t'a recevoir pour te protéger force elle. Prend assassin criminel Ariel Henry comme premier ministre là. Et puis, moi, ce qui a 24 ans de temps, je fous tout le président. Ça nous besoin de réponse. PM Claude Joseph, mais grand monde sourd, mais grand naboudou. C'est clair. Parce que tout le monde a parlé, ou même ou père qui sourit. Ou pas qu'à permettre la logique. Ou pas qu'il doit peur ça. C'est dire la vérité, c'est la vérité qu'on parle. L'a dérangé, mais il faut qu'on parle. Qu'est-ce que ça a mérité de réponse? On a le Claude Joseph. Bon, écoutez, moi-même. Et il était clair que tout le monde connaît l'MTN dans tête primature là. Moi, j'ai toujours compté jour parce que j'ai souhaité que le président Jovenel Moïse
joindre un premier ministre de consensus, un monde transversal. Et effectivement, le président Jovenel Moïse présenté Ariel Henry, et c'est un monde transversal, oui. Parce que le premier ministre Ariel Henry, il vient entrer dans tout secteur, dans la vie politique, là. Donc, oui, et moi-même, Même ces précautions, ça me pour gagner. C'est problème précaution ça me gagne avec PM Claude Joseph. Je ne peux pas comprendre que ou c'est premier ministre ou des obligations de réserve tout bagaille. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais n'a pas d'assassinat au président de la République. Assassinat au président de la République en fonction. Sous cabine de la caille, messieurs dames. Même c'est ça que m'a parlé. Il n'est pas foutre logique. Il faut qu'on mette green dans le boudoir pour assumer responsabilité. Pas dans la commission de droit où on a tête et langue avec les assassins. Une équipe criminelle en coalition gang. Ou pas qu'à nous t'aider dans la pièce de télé avec eux. Il n'est pas acceptable sous quelque forme. Non. Un pays n'est pas fonctionner comme ça. Si nous ne pas un exemple, ou même nous qui devons être dirigeants, demain si devait. Et puis pour la dimension, il faut voir tout et tout. Pour position. Il n'est pas devant le peuple. Il n'est pas acceptable. Ça, on est même franchement. On avance. Et le président présenté le premier ministre. Bon, et le premier ministre nommé alors, moi, ouais, dans quelle dimension, il a parlé avec un pile monde, c'est vrai. Des monde qui, on est capable de dire, qui sont différents, ou bien qui n'ont opposition que l'une à l'autre, ou bien qui partagent de opinions et politiques et différentes. Donc, c'était la personne idéale. Mais le président, moi-même, premier ministre Ariel Henry et on l'autre monde, nous étions chita ensemble dans le jour qui était 2 juillet, si je me rappelle. Et le président te dit clair que, enfin, avant, le président te dit Claude, et mon cher, nous jouons l'autre monde. Nous disons, M. Kier, c'est expliqué, nous disons, mais c'est une bonne chose. Et puis, le président a présenté le premier ministre, il dit que voilà, et ça c'est un premier ministre. Et le clair pour le dire que c'est un premier ministre proposé par Michel Martelly. Et bon, de dire, et puis la fixe. C'est ça que je veux me vouloir. Martelly, te baille. Ton a boule, mais la femme mal, vous voyez. Franchement, bonheur. Bah, la femme malinée, vend les révoltants. Nous pas qu'accepter ça dans le pays. Si Martelly n'a tout le président, mais grenade dans le boudou, dit Martelly n'a tout le président. Les révoltants, man. Je dis, c'est 7 janvier qu'il y a. Si le jour même, je te fais tout le président de la République, moi-même en tant que jeune, je te prends responsabilité, je te mets grenade dans le boudam pour me dire la vérité. Pour me prêter quelque monde du doigt. Ou même en tant qu'ancien premier ministre, mettez grenade dans le boudam pour parler. Parce que le pays est contre tout assassin. Martelly n'a pas dit merci. Mais battre chaîne dans le mettre. Je fais la tombe dans l'autre, on est crasé. Et pas juste le pourri. Bonne salope sale. Bonne assassin. Bonne équipe vol en nous. Nous avons des droits, nous avons des armes dans le pays. Nous avons des crises de l'État. Des gens qui les regardent nous seulement, ou bien questionnent nous, nous foutent tout. Maintenant, il y a tant de monde qui est sous. Salope sale. Assassin. On avance. Et le président Martelly a fait un paquet de bagages pour lui, pour le choisir comme président. Et contre un paquet de monde qui battent de lui, lui est capable de dire que ça, c'est une reconnaissance, ou bien c'est un retour d'ascenseur. Que il choisit le premier ministre Ariel Henry comme premier ministre. Maintenant, si Blanc n'a pas voulu Martelly, ça c'est lui Blanc, mais lui-même, il retourne et Michel Martelly ascenseur. Mais moi, je connais qui va l'impression que tu es fait sous lui avant pour te choisir premier ministre. Maintenant, ça, c'est pas ça qui est important. Mais tout de suite après le premier ministre vient choisir, soit 48 heures après, le président l'a assassiné. Donc, ça, c'est des. Attention, Claude, attention, attention. Ce pas ça qui est important. On parle de pression là. On parle de pression là. Ok? Le fait qu'on parle de pression, on ne peut pas dire que ça n'est pas important. Faites très attention avec ce qu'on dit, PM Claude Joseph. D'ailleurs, nous disons clairement, dossier assassinat président Jovenel Moïse, ce dossier qui a mis fin à la carrière politique traditionnelle dans le pays d'Haïti. Exactement clair. Prenez responsabilité, nous. De fait, son devoir que nous gagnons, son obligation qu'elle y est tout. Pour que nous bataillons pour nous changer le système ça. Avec assassinat président Jovenel Moïse, c'est une responsabilité que nous gagnons. C'est une voix que nous gagnons. Nous sommes capables d'utiliser clair. Parce que le président a bataille pour te mettre fin dans le système. Il faut continuer la lutte. Il faut continuer le combat. Martelly tout est Jovenel Moïse. Martelly m'a dit merci. Salope sale. On avance. La justice doit être capable de dire de bagaille sous l'eau.
D'abord, côté pression, vous avez sorti, effectivement. Pour qui ça? Et pour qui ça, vous avez un marché pressé, effectivement, faut gagner un autre premier ministre. Et pour qui ça, tout de suite, le premier ministre fin, était capable de dire gagner un arrêté qui sorti sur lui. Et 48 heures après, le président, lui, est assassiné. Alors que plein. Donc, vous pensez que vous avez un lien entre l'assassinat et ça? Bon, moi-même, ce que je suis en train de faire, c'est de questionner et tout le bagage qui passe. Parce que ce plan, initialement, c'était kidnapper le président. D'ailleurs, il a dit qu'il n'a pas fait pendant la Turquie. Et le plan vient changer jusqu'à 6. Donc, il faut nous comprendre. Pour qui ça, mon premier ministre qui finit nommé, et que le plan vient changer 11 jours après que le président. Faut nous comprendre. Le plan a changé un jour après la publication de l'arrêté. C'est un jour après le plan vient changer. Le plan a passé de. Tenez bien, c'est extrêmement grave, oui. Même là, dis nous ça sensible. L'insensible, pas avec Claude Joseph, allez toi en rapide. Et ça cause son dossier, moi, je dis ça clairement. Moi-même avec Foucault, nous prenons responsabilité. Toi. Foucault lui-même, son femme, Foucault met grain dans boudal. Quand dit nous son femme, il met grain dans boudal. Moi, je suis un garçon, je double grain. Parce que dossier ça, nous foutons qu'on est fragile. Nous avons des conséquences à gagner. Mais on est crasé. Il faut que ça change dans le pays. Parce que quelle que soit la forme, nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous ne pouvons pas tolérer vraiment. Pour te pouvoir, pour te voler nos pays, ou assassiner nos présidents, sous cabane la caille, t'as qu'on un petit poule. Mais j'aime tellement tout à bêtise et tout. T'as pas juste à prendre. Comment tu comprends ou comme si on bat ensemble avec une équipe de drug dealer qui est à côté Matéli, même équipe Matéli, un tête calé. Et puis c'est même Mounzaïo, c'est même Matéli qui contrôle la sécurité. C'est lui-même qui contrôle toute sécurité, lui qui bat tout négio. Ou qui met tout négio la net. Je ne vais pas imbécile quelque part. Ça que cause moi-même, dis clairement, est-ce que Pat Gola qui te pèse Bouddha Jovenel Moïse, faut qu'il te mouri pour peuple haïtien te kawe clairement. Mais qui est-ce qui met pays en gauche? Mais qui est-ce qui problème pays vraiment? Mais Jovenel Moïse mouri. Comme lui mouri déjà, défaite, nous accepter qu'il mouri, mais nous continuons à batailler. On avance avec Claude Joseph. On avance avec Claude Joseph. Kidnapping a assassiné le président. Ça, c'est le premier bagage. Ouais, ça c'est le premier bagage. Plan passé de kidnapping. Mais deuxième bagage, ça assassin, on pas penser, c'est que moi, tu as toujours été en fonction après le président parce que le premier ministre Potko, nous t'as capable de dire et prêter serment ou bien Potko installé. Donc c'est moi qui traité. Ou pas le lever de bouclier contre moi. Qui va sortir d'abord dans le PHTK avec le président PHTK qui dit qu'il va parler l'élection à Claude Joseph. Ou pas le lever de bouclier, c'est comme quoi que assassins, les oligarques et de familles politiques entendent sur la mort président et ils connaissent que ce n'est pas moi qui peux continuer avec Jovenel Moïse parce que moi-même, je suis le monde qui a parlé les mêmes paroles avec le président Jovenel Moïse. Donc j'étais un irritant. Donc tout ceci pour nous, m'a questionné une série de bagailles. Non, mais est-ce que c'est tout ça qui fait ou dériver passer Mariette Lambay à Guélanry ou bien à part de pression ou de là qui sorti bon côté PHTK, mais bon côté international là tout. Est-ce qu'on peut pas recevoir pression dans le niveau ça pour te permettre que c'est Ariel Henry qui fait continuité? Écoutez, on peut pas recevoir pression bon côté international là. Ariel Henry, c'était le dernier vœu du président Jovenel Moïse. C'est transversal, faut qu'on d'accord. T'es un accord politique également, côté que t'es un paquet de monde qui supporte. Ouais, moi-même, je ne pas pour me tenir tête à ça. Parce que pour moi-même, je n'ai pas d'ambition de mesurer, de rester sous pouvoir. J'aime d'où là, Ariel Henry, c'était un monde qui gagnait. Et bénédiction, paquet et groupe politique. Donc, pas de aucune pression. D'ailleurs, je ne connais pas si je suis tourné, par exemple, si je suis information que Ariel Henry a parlé avec Badio ou bien ensemble de l'autre information, peut-être que nous sommes capables de repenser et passation pouvoir. Mais maintenant, là encore, moi-même, je n'ai pas gagné légitimité parce que je suis un premier ministre de facto. Parce que si un président qui mourit, moi, arrêté comme premier ministre en fonction, mais je suis un premier ministre qui est nommé. Je suis un vide qui était. Moi-même, je suis là pour me créer, on était capable de dire, une situation incontrôlable dans la question de gestion de pouvoir. Vous comprenez? Donc, si je dis à pour me repasser
et pouvoir avec Ariel, m'a toujours passé parce que moi, pas regrette rien. Et Ariel, te paraît un monde de bon commerce et une personne transversale qui a parlé avec le monde. Et c'est quelqu'un qui, ouais, qui est sage, etc., qui t'a coûté. Même parce que si, pour moi-même, hein, et toute chose. Claude Joseph va passer besoin assassin, sage qui côté. Sage qui côté. On a qui dans tout le président Abdou Paret, Paret. Apparemment, semble un monde qui est sage. Mais dans quel Ariel Henry, dans quel ils sont assassins, sont criminels, sont gangs, sont voleurs. Est-ce que vous avez dit là? Sont voleurs, on mettait là, comme si on avait dit, pour venir représenter des gangs pareils. Tout le monde est pièce, non? 7 février, il faut venir là, il faut me faire mettre, il faut faire des grilles dans le bout d'un. Vas-y, on avance. C'est un égal par ailleurs, c'est-à-dire que, bon, c'est du bagage, non, pas qu'on est. Ariel Henry était un bon choix. Ouais, c'était un bon choix. Si, on dit, nous supposons que qu'on paquet de bagages que moi-même, que je pas connais, qui passait, etc. Parce que ça m'a dit là, c'est parce que je me dis, Ariel participait dans la mort de Jovenel Moïse, m'a questionné le fil des événements. Robert, m'a questionné, yo, m'a questionné Datio, m'a questionné pour qui ça, cinq ou non mon premier ministre, sept présidents assassinés, mais le six, le plan a changé. Pour qui ça a changé de kidnapping? Parce que tu as supposé kidnapper l'aide de la Turquie, pas bien les présidents de la Turquie, moi-même dans les Nations Unies, et président de la Turquie, mes plans ont changé, pourquoi on l'autre question avion et la trier, président pas rentré l'aide pour l'entrée. Et c'est là que tu as supposé kidnapper le président, d'après, et encore, on est capable de dire rapport. Donc le plan a changé. Moi, je questionne tout simplement le fil des événements, mais ce n'est pas parce que moi, je dis qu'il y a un monde qui est nécessairement, bien essentiellement coupable, non, et ça passe hier. Docteur Claude Joseph n'a pas essayé de questionner tout pour nous comprendre et dossier ça qui gagne pile flou là-dedans. N'a pas retourné dans le rapport RNDDH là qui citait Léon Charles qui était directeur général police dans l'époque là qui était parlé tout à Badjo Joseph. Il y en a suspecté encore dans le crime ça. Donc, ils ont été trouvé relation ou collaboration avec Léon Charles après crime, donc pour nous capables de comprendre sans révélation Écoutez, RNDDH là. tout le monde qui participait avec le gouvernement ou bien le conseil supérieur dans CSPN, le conseil supérieur de la police nationale, qu'on aime toujours dire un seul bagage. Moi, dis, yo, écoutez, nous tous qui là, et vous avez un témoignage dans mes DCPJ, vous avez un témoignage là dans mes Léon Charles, vous avez un témoignage dans mes tout ministres qui viennent avec, qui toujours avec. Moi, toujours dis, écoutez, nous chaque qui là, après la mort du président Jovenel Moïse, et nous c'est des suspects. Dis, nous chaque c'est un suspect qui là. Parce que moi-même, moi, j'étais très prudent sur comment un crime fait passer. Ça, la carrière président, il mourit, pas de monde qui tirait, pas de monde qui mourit, etc. Donc, on est considéré tout le monde, moi-même par exemple, comme premier ministre en fonction. Nous sommes suspects. C'est ça qui fait. Moi-même, je dois tandem tout. Vous comprenez? Moi, je dois tandem parce que moi, c'est un suspect. Et chef moi, je te dis premier CSPN, ministre ça. Moi, je te dis premier ministre ça. Non, c'est SPN, moi, je dis ça. Et moi, je te dis premier ministre nommé à ça pendant notre chita, la carrière, moi. Pour me dire, nous, chaque qui l'a, nous sommes suspects, laissez-moi me battre, consultez pas la Badjo. Vous comprenez? Ça, son principe de base. Maintenant, s'agissant de l'implication de l'autre monde, c'est la justice qui peut déterminer, n'est-ce pas? Non, et question ça. Et nous espérer, effectivement, que l'enquête là, et recommencer à avancer pour autant des Colombiens, parce que 6 mois après. Colombien yo partant de yo. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'un côté, c'est parce que moi, ouais, je lui ai demandé pour avocat. Et il écrit mini-justice là. Pour mini-justice, il même écrit chancellerie haïtienne. Pour Colombien, avocat pour tant de yo, pour témoin comme témoin, selon la loi, n'est-ce pas? Pour accompagner yo, bon témoin de leur choix. Selon la loi. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas gagné ça. 6 mois après. Donc, ce n'est pas la science qui lui-même aux États-Unis pour le parler, pour le dire. Et c'est ça qui est extrêmement important. Parce que Colombiens, ils sont ensemble là dans la prison, etc. Ils ont même tout, ils ont constaté faiblesse de la justice haïtienne.
Donc, il est capable de dire tout ça que tu dis dans le rapport de CPJ, ce n'est pas vrai, au bon matin. Donc, c'est peut-être ça. On ne pas quoi que Palacios a fait aux États-Unis. Et qui côté Palacios lui-même de joindre tout support ça avant de quitter avant la Jamaïque, parce qu'ils font bon temps dans le pays quand même. Bon, écoute. Alors, pas oublier, au même capitaine de Cap Gadila, ou toujours exactement dans la rue de la République dominicaine, Santo Domingo. Ok, ça veut dire très important pour que vous appelez nous ça, pour nous connaître exactement, pour nous garder pour même qui était même gagné dans l'opération de l'Opelimbo et Tchobalé, on va parler de propreté. Parce que même ça, il y a un problème pour garder mon petit île. Nous sommes ensemble, un pays qui nous partage même bout de terre ensemble avec elle. Pour garder, c'est comme ça pays ça peut évoluer. C'est comme ça les mêmes liés. Et puis nous même pour la canne sale, senti comme ça. Si c'est pas nous avec des politiques en bas, que nous rejetons, que nous foutons en côté, que nous disparaissons. Pour nous faire un groupe Haïti, parce qu'il n'est pas acceptable pour nous quitter Mounsa là toujours. Mounsa a symbolisé Fatra, Mounsa a Ariel Henry, André Michel, Kassi Major, Michel Duncato, Mounsa a mis de la Yuri, la Tante Joseph Lambert, symbolisé de l'eau sentie, Fatra pourri, tout rego, de pouvoir Mounsa c'est exactement ça, ouais. Ça veut dire que nous sommes capables de prendre responsabilité nous face à ça gagnant comme situation. Nous ne pouvons pas quitter Mounsa là toujours, comme dirigeant sur qui base. Quelle idée, franchement. Pourquoi nous habiter nous? On avance. Ça aussi. Une question comme ça, vous pensez que vous m'avez dit pour me spéculer, pour me reposer. Vous n'avez pas d'informations sur ça. Oui, non, moi-même, je pense que mon qui tue le président Jovenel Moïse, il y a un appareil, un dispositif, il y a pour moi-même une grosse machine. Donc, c'est peut-être ça qui permet que vous fait lui sauver. Et pas, c'est pas trop longtemps, John Joel Joseph qui débéia. Et c'est pas trop longtemps, et il paraît que Badio quitte le pays. Et sous complicité, à complicité, bien sûr, autorité, d'après RNDDH. Parce que jusqu'à maintenant, c'est sous document RNDDH que moi, j'ai appuyé pour me dire on s'est de barrer avec DCPJ. Et par exemple, ou même, comme chef CSPN, Pierre-Onel, on était rappelé là, mais bien avant, j'ai l'impression, soit ou, ça a échappé, ou bien on parle pour l'aspect ça, collaboration avec DG après et assassinat. Comment ou même ou analyser? On parle de DG la police, là, par exemple. Bon, d'abord, on est capable de dire que c'était une collaboration hiérarchique, parce que c'est moi qui étais en principe président ou chef CSPN, non? Donc, DG la police là, les gagnants et dans une certaine mesure ont dépendance de moi-même. Donc, les gagnants pour le bon rapport de action lieu. Donc, c'était une collaboration hiérarchisée. C'était une collaboration hiérarchisée qui fait avec un pile respect. Ouais. Donc, voilà. Et d'autant que on connaît Léon était dans la diplomatie pendant que moi j'étais ministre affaires étrangères. Donc, même respect qui existait, protocole qui existait en diplomatie, eh bien, c'est quasi même bagaille là, ou bien encore mieux, parce que l'elle était ambassadeur et était une sorte de salutation, mais l'EMVIN, chef CSPN, et on l'a dit pour le saluer. Maintenant, c'était un bagaille hiérarchique, hein, c'était un bagaille hiérarchique entre moi-même avec Léon. On hiérarchie sincère ou maquillée, non? Non, ça c'est notre adjectif, parce que nous, l'autre monde, moi-même, je connais que il y a un rapport hiérarchique. Maintenant, je ne connais pas si c'était sincère ou pas, mais moi-même, par exemple, l'aime demander pour moi et Almatissan, et moi, tu vois la police nationale, dans une certaine mesure, tu es mobilisé. Pour te accompagner, pour me dire Almatissan, pour me dire Wemounio, et dans Santio, qui te quitte Kayo, etc. Donc, pas qu'on est qui ça y est, qui a été. On se rappelle là, qui est chef CSPN, et qui ça, ou même, ou capable de reprocher tête tout dans le mort Jovenel Moïse, qui ça, qui sont pas de faire, qui cause la mort li, comme chef CSPN, chef sécurité PIA. Non, rien du tout. Je ne vais pas reprocher tête moi rien du tout. Simplement parce que je n'ai pas gagné aucune information de présence de Mounsayo qui est entré en juin dans le pays. Et pourtant, tu as donné des informations quand même. Non, pas nécessairement. Faut nous parler de tête. Nous, on connaît qui pays va vivre. Bon, le président de la République qui gagne un dispositif de sécurité
qui est plus puissant, avec intelligence qui est plus puissant, il n'y a pas de gagner des informations pour nous être capable d'imposer que ça fait. Donc, ce n'est pas moi-même comme ministre, premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Premier ministre pour un petit bout de temps, bien sûr, et ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas disposé d'informations. Parce que j'aime là, c'est un crime, c'est une grosse machine, c'est un gros crime qui fait là, je dis. Hein. C'est un pile d'argent qui dépensé pour faire un crime comme ça. Et comment imaginer qu'un crime comme ça fait, qui a infiltré sécurité président et Jovenel Moïse, ils ont entré la cali, ils ont tué, il n'y a pas de réplique qui fait. Moun qui t'a supposé doué responsable sécurité président, eh bien, yo même, yo failli à mission yo. Ou bien yo complice d'après ça, RNDDH, parce que moi, li rapport RNDDH. Et l'important pour journaliste, li le tout. Implication de moun qui pi proche président Jovenel Moïse en matière sécurité. Donc, c'est-à-dire que c'est un bagage qui est extrêmement bien planifié. Donc, c'est peut-être ça. Ça qui était important pour moi, c'est pas exprimer un regret. C'était travail pour nous quimper autant de Colombiens que possible. Ce que nous arrivons à faire sous leadership moins et moins que 72 heures après. Mm-hmm. Et Claude Joseph, est-ce que vous avez une information que le président a travaillé sur une liste de monde qui a gagné une implication dans la question de rôle que vous êtes supposé arrêter? Pas qu'on est président, a travaillé pour dire. Ok? Pas qu'on est que le président. Comme si nous n'avons pas procéder plus d'informations que dire sur le monde qui gagne. On continue ensemble avec le Premier ministre Claude Joseph, okay, toujours dans le cadre d'assassinat, président pays qui est Jovenel Moïse. On avance. Comme président, et moi-même, je n'ai pas jamais entendu le président parler d'un bagage comme ça. Évidemment, le président va parler de tout bagaille avec ok. Et bon, écoutez, parce que tout simplement, moi, je viens de jouer le président, et libre de confiance, je vais aller loyauté, moi, nous travaillons ensemble, et nous voyons à qui nous sommes capables de dire, dans quelle dynamique que nous sommes. Mais maintenant, moi, je ne veux pas que vous déviez l'opinion publique là, sous cause du président Jovenel Moïse. Moi, je suis contre le président Jovenel Moïse, je suis un monde qui est honnête. Ça, c'est le premier bagage que je suis capable de dire. Mais deuxième bagage, président Jovenel Moïse, il était sincère. Dans la bataille qu'il a fait contre l'oligarque. Il était sincère. Il était en cause. Les gens qui dit que le président Jovenel Moïse a travaillé sur une liste, c'est dévier l'opinion sur l'oligarque que la bataille contre lui. Moi-même, je ne pas voulu tomber dans le piège. Ça. Probablement, le président Jovenel Moïse a droit, effectivement, il y a des gens qui sont côté, qui sont pas droit, ou bien qui veulent chasser, effectivement. Et parce que beaucoup de tout était des oligarques, parce que oligarques, c'est pas seulement face à avec l'UTIE, mais t'es gagné des oligarques beaucoup de présidents. Maintenant, si bataille là, c'était pressé dans tout le monde, ça gagne là dedans et on t'a capable de dire t'as aidé président Jovenel Moïse pour faire campagne, bah ça capable d'éviter frustrer mon yo. Mais moi-même, je ne connais pas que le président Jovenel Moïse a travaillé sur une liste. Moi, je connais Jovenel Moïse, t'es gagné une bataille que le t'as mené. Il était coupé contre la monde qui a fait en pile l'argent. Et bagay ça, le président Jovenel Moïse était connu, il n'y a pas sans conséquence. Il a toujours dit dans tout discours, dans toute intervention qu'il a fait. Donc moi-même, c'est ça mon gros. Et président, l'aile t'a senti la danger, il t'a fait plusieurs coups de fil. Est-ce que il était relé ou avant même les mourir? Mon cher, il n'est pas relé. Ça m'a dit deux bagay. Il n'est pas relé. Les m'apprendre ça, c'est moi qui a plaidé relé yo. Moi pas de ka joindre yo. Li pas de relé du tout. Okay. Mais, comme étant donné que moi te voyé toute sorte machine yo aller tout de suite arrêter à te fin nommer Ariel, te voyé yo dans primature, peut-être, étant donné qui moun moi yé jodia, peut-être n'a ka regrette ça, mais moun moi yé ya, et sincérité par rapport à Jovenel Moïse, si n'a ka toute sorte machine ça yon même, les m'apprennent bagala, m'ta ka gen tendance monter. M'ta ka gen tendance monter aller dans pèlerin. Peut-être que ka coûte très cher. Vous comprenez? Et parce que, et moi pense que moi-même, si m'te gen tout dispositif ça dans même, comme machine et primature, avec tout soldat ça yo, m'ta ka dit monsieur, en nous monter. Ouais, et peut-être m'ta ka pas faire ça. Mais, il pas très l'aime, peut-être qu'il pense que m'pas aucune utilité.
Un sort machine, yon m'dégète envoyé dans la primature. D'ailleurs, c'est vers 5h du matin, yon parle de côté, yon ba mouen, n'est-ce pas? M'dégète envoyé toute sort machine dans la primature, moi pas gagné vraiment, m'da capable de dire, et un an même. Bon, écoutez, moi, moi dis que, et connaissant qui est ce moyen, moi t'es capable de toute machine, yon m'a monté en l'é à la président. Le salle de temps fin mouri, bien sûr, mais m'da capable de faire ça. D'accord. Et malheureusement, li pat rete rele mwen, mwen te rete nan zon bo la kay mwen, entre la kay mwen et de l'autre kay ki nan zon nan, et tout simplement parce que mwen te important, mwen pat kapab fè anye nan bonman. Ou te proche, madame nan tout, ou te proche fami an tout, mwen kwa ou te pale de sa, et ou te rete en contact avec Martine apre krim nan? Claude, Joseph. Un moment. Émotion. Ah bah oui. Claude Joseph a appelé Claude Joseph, c'est l'ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères, président Jovenel Moïse, c'est lui qui est ensemble avec nous. C'est pas faute, monsieur. Mais c'est pas grave à crier. Mais la révolte, man. Comme si pour un monde, cap bataille, man. Franchement, mon pays n'a étalé là. On a décidé. Regardez comment on peut changer, on sait le bagaille. Et que tout est négligé, mais comme regardez pour Matéli impliqué dans l'assassinat, c'est ça le problème. Et ton a boule, monsieur, faut que Matéli paye pour ça même. Faut qu'il paye pour ça, parce que il pas acceptable sous quelque soit forme non. Il pas acceptable monsieur pour nous prendre ça vraiment. Regardez, si nous pas payer pour lui, pas jamais gon monde cap jamais ca garder ça dans le pays d'Haïti. Jamais. Pas jamais gon monde cap jamais ca parler la vérité dans le pays d'Haïti. Si on pas faire payer pour ça, pas jamais gon jeune garçon cap jamais dit faut qu'Haïti change. Ou dit pour un de mes CDV, Matéli voye physio, Ariel Henry voye physio, Dimitri voye Général Boulos, voye manger automatique. L'éclair, c'est gang qui pourra faire la loi dans le pays ça automatiquement. Si nous ne traçons pas exemple, sur quelque sorte forme, nous sommes obligés de traçons exemple dans le pays ça, parce que ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas tolérer ça dans le pays. Franchement, man, on avance avec Claude Joseph. En direct là, vous essayez de reprendre nous? Oui, alors. Oui. Den. Oui, ou t'es qu'embé contact quand même avec bien sûr. Oui. Bien sûr, vous jusqu'à maintenant avec petit président. Nous allons finir Claude Joseph ou pas de même génération avec président Jovenel Moïse, ou t'es très critique d'ailleurs dans le passé de famille politique côté président Soti. Expliquez-nous pour l'histoire comment t'es rencontré président jusqu'à ce que ou t'es venu joindre confiance au point que je dis à nous considérer comme on fidèle même dans la molle. Ouais, donc premièrement, ma paix. Répondre avec question sur Claude Joseph, c'est ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères sous administration Jovenel Moïse, là, un collaborateur okay, proche de président qui a parlé avec nous là. Matin, à l'occasion sixième mois depuis assassinat président Jovenel Moïse, en pile émotion dans l'interview ça, et nous cap comprendre ça. Claude Joseph, tu es chargé mission ou tu es représenté Haïti en Espagne, par la suite, tu as pris le rentrer pour te venir occuper poste premier ministre, ministre des Affaires étrangères d'abord pour te venir, ensuite premier ministre, et dans l'occasion sixième mois anniversaire, ou sixième mois, et depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, il est avec nous, et matin là, pour nous capables de comprendre, et qui côté nous y est, dans l'enquête là, qui pas qui franchit, est-ce que le possible, je dis à pour Jovenel Moïse, et joindre justice, et qui est agent d'Alpes, oui. Oui, alors, on tape dit par rapport avec famille président, et Jovenel, par exemple, on songeait, nous avons téléphoné ensemble. Je quittais cette là dans le matin. Et peut-être vers 1h, 2h du matin, je vais rappeler. Mais moi, j'ai une liste d'appels téléphoniques que je fais. Et je me suis dit, je vais leur dire, c'est Claude, quel que soit son gagné, voyez à l'... Et voyant ou à jeune papa, mais ça me dit important, et je me dis, sans
sans rien en même, moi-même, je n'ai pas gagné une machine, pas gagné plein de tir, je n'ai pas gagné un corps avec moi. Et monsieur a pas prendre, parce que lui-même n'est pas dans le cas là, que papa est en difficulté. Et il a fait des appels au secours. Et je pense à ce moment-là, ce n'est pas moi-même seulement que Jovelin était relé. Mais moi-même, comme premier ministre, qui était démissionnaire, je n'ai pas de faire, je me dis, peut-être si je gagne, je suis en folie pour me faire mal monter, etc. Et je suis toujours gagné pour contact avec la famille, et, puisque pas en pile monde. Et sinon, des journalistes, je suis capable de dire farouche, qui toujours a dit une cause, président, question de mol, etc. Bon, je me suis rencontré avec le président, pas oublier que je gagné en première fois. Je suis nommé comme ministre des Affaires étrangères, l'expérience n'a pas bien passé. Je suis chargé d'affaires en Espagne, n'est-ce pas? Je suis entré là, venu comme ministre, mais nous finissons passer devant la Chambre des députés, mais la Chambre du Sénat, nous avons tout ça passé. Et l'expérience a été avortée. Je suis retourné en Espagne et c'est là encore que le président a loué toute activité que m'a mené en Espagne. Et moi-même avec le président, nous venons gagner une communication permanente. Nous sommes capables de dire presque chaque jour en Espagne, nous parler. Et qui vient de faire que le président et l'activité m'a fait permettre aux étudiants d'aller en Espagne, etc. Donc, nous étions vraiment contents de faire une rencontre avec les étudiants. Yo. Deux autres petites questions et quand même dans ces qui tapent important. Par exemple, il y a une information Claude Joseph qui fait quoi que le président pas descendre dans le bureau dans le palais national plusieurs jours avant assassinat. Est-ce que une explication à ça pour qui ça? Ça bon, passé, et une explication possible que il y a que ça. C'est une question qu'on a. Et c'est une explication possible avec ça, parce que nous descendons, moi-même, à l'impalé, les par exemple, la brousse ou à l'aide de créant. En tout cas, moi-même, ça qui est important pour moi, c'est que tout le monde est clair, tout le monde connaît qui est qui est le président, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de passer par quatre chemins pour nous dire la vérité sur ça. OK? De toute façon, même si le peuple haïtien a été mobilisé. Il a été mobilisé parce que dans le jour où il y a eu là, il y a eu un Maman petite m'a revente. Parce que ça qui passe, si nous ne baillons pas réponse avec le crime ça qui fait dans la coupe pays d'Haïti, en vérité, 7 fois, 77 fois, pape jamais nous ne pouvons pas garder ça dans les yeux. Nous ne pouvons pas voir pour nous parler. Depuis nous parler pour un, pour deux, nous touillons tout le monde qui proche nous, ou bien si nous venons nous touiller nous. Prenons responsabilité pour nous. Encore une fois, non pas nous, c'est bientôt. Nous prenons responsabilité en tant que jeunes. Nous pas peur. Nous sacrifions jeunesse nous. Et ça nous fait là. Nous ne sommes pas capables de n'importe côté. Nous ne sommes pas capables de sortir n'importe qui gens. Nous sacrifions jeunesse nous. Nous pour comme si pour changement pays ça. Pour bataille pour changer condition de la vie peuple ça. Ou même qui sont assez conséquents. Travaille pour l'enfant qu'on fait. Je commence à demander de partager vidéo ça et commenter ce que vous pensez. Si vous abonnez avec la plateforme non, si vous êtes intéressant pour vous, abonnez avec la plateforme non. Je dis que moi-même en pile. Que me la balague. À bientôt.